nous allons poursuivre avec un nouveau défi, une épreuve chronométrée. Il va falloir être très, très rapide et être le meilleur, bien sûr, pour échapper au duel. Et pour cela, il faut conserver ou récupérer la tête de lion. Et par conséquent, il ne faut surtout pas obtenir le moins bon chrono à l'issue de ce défi. Dans la première étape de cette épreuve, les aînés ont un rôle déterminant. Ils vont devoir avancer le long d'un parcours, debout sur un tonneau en s'aidant d'une tyrolienne. La tension de la corde dépendra du contrepoids exercé par les parents. En bout de parcours, le tonneau devra impérativement toucher la plateforme. Si elles le souhaitent, à mon signal, les familles pourront faire appel à un top rescue pour passer directement à l'étape suivante. Mais 3 minutes s'ajouteront à leur chrono final. Les cadets prendront le relais, ils devront récupérer 8 balles dans le tonneau et les déposer sur une rampe en bois. Une fois toutes les balles réunies, les familles pourront entamer la troisième et dernière étape de l'épreuve. Placez 3 balles dans le trou au bout de la rampe pour faire lever la queue du phacochère et stopper le chrono. Et comme après chaque épreuve chronométrée, deux familles s'affronteront bien sûr dans un duel. Objectif ? Obtenir le meilleur chrono et ne surtout pas avoir le moins bon des temps qui serait synonyme de 3 têtes de serpent. Les familles, l'aventure Safari Go continue avec vous et grâce à vous, je vous en prie, allez vous mettre en place. Les parents font le contrepoids. Romain, tu es prêt? Concentration. Safari. Go! 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 Les aînés de chaque famille se lancent donc dans cette épreuve plus concentrés que jamais. Allez, match doucement. Car il faut absolument faire preuve d'agilité et d'équilibre pour rester debout sur le tonneau. Allez, vas-y, mon chéri. Allez, Maïlys. Tranquille, 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 tranquille. Maïlys, seule fille parmi les aînés, a du mal à gérer son stress. Déjà, avance tes pieds, avance tes pieds. Vas-y. Tranquille. C'est pas grave. Allez. Tranquille, je sais pas. Maïlys, n'essaye pas d'avancer plus vite que le rouleau. C'est toi, tu vas réussir. Concentre-toi, regarde bien tes parents, regarde bien tes pieds. Tu dois reculer tes pieds, recule tes pieds. Vas-y, recule, 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 recule. Non, mais ça me saoule. Presque, presque, on ne s'énerve pas, tout va bien. Doucement, c'est bien, c'est bien. Continue comme ça, c'est bien. Tranquille. Super. Tranquille. Redresse le tonneau, redresse. Avancer en équilibre sur ce tonneau s'avère plus difficile que prévu, même pour Mathieu. Tirez bien. Le bon dosage de la tension exercée sur la corde par les parents peut faire la différence et aider les aînés à garder leur stabilité. Vas-y. C'est trop. Allez-y, tirez. Dis-nous, hein. J'arrive plus à avancer. Allez, vas-y. Papa, il va en travers. Les verts et les roses sont en danger, car derniers au classement général. Ils doivent à tout prix remporter cette épreuve pour récupérer la tête de lion au bleu. Allez. Mais entre manque d'équilibre et pression, Maëlys ne voit pas le bout de cette première étape. C'est bien, c'est bien, non, c'est bien. C'est pas grave, on s'énerve pas. On ne s'énerve pas, ça ne sert à rien. Elle ne se doute pas que les garçons galèrent autant qu'elle. Tirez. On peut pas. Ah. Vas-y, vite. Repousse. Mets-le bien droit, le tonneau. Tirez bien. Tranquille. Allez, cool. Allez, vas-y, à la cool. Voilà, des petits pas. T'inquiète, petit à petit. Allez, c'est bien, là, c'est bien. C'est bien, c'est bien Mathieu. Continue, tu es bien, là. Doucement, n'avance pas doucement. Trop en avant. Doucement. Doucement. C'est bien, là, c'est bien. Le tonneau, il est redressé. Va pas trop en avant. Arrête-toi, voilà. Mathieu, déjà très fort lors des précédentes épreuves chronométrées, trouve son rythme et arrive plus vite que les autres au bout du parcours. Sur cet exercice, Romain ne s'en sort pas mal non plus, alors que Maëlys revient sans cesse au point de départ. Doucement. Allez, ma chérie. Avance. Allez, c'est bien. Continue, tu y es là.
Vas-y, avance. Va doucement. Avance. Voilà, souffle. Il y a une bosse. Je suis bien. Tu vas avec tes pieds. Ah, c'est bon. Allez, voilà. C'est bon. Non, le tonneau n'est pas... Mathieu, le tonneau n'a pas tapé le... Non, ramène-le. Il faut le ramener. Mathieu, tu es obligé d'y retourner. La précipitation de Mathieu l'oblige à recommencer et à perdre du temps, ce qui peut donner l'avantage aux roses et aux verts. Là, tu es bien, là. L'occasion peut-être pour Romain de prendre une réelle avance. Vas-y doucement. Ne te stresse pas, Mathieu, c'est pas grave. Faut pas se stresser. T'es bien, là, t'es bien. Oui, c'est bien. Mathieu reprend ses esprits, il a désormais la technique et rejoint rapidement l'autre bout du parcours. Fais-le toucher. Bravo, Mathieu. Du côté des roses, c'est nettement plus compliqué. Maëlys perd totalement confiance. Allez, là c'est mieux? C'est moi qui suis pas douée, c'est tout. Bon, on va retendre plus. Quand tu sens que ça vacille, ma chérie, repositionne-toi. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Calme. On perd pas son calme. Allez, va un peu derrière. Derrière. Voilà. Wow. Pas grave. On est à combien de chutes, là? Mais c'est pas grave. Allez, va plus. Y a aucun souci, tout va pas bien. Pas de problème. Les roses, vous allez pouvoir prendre une décision. Soit vous continuez. Je continue. Soit vous arrêtez, vous passez à la prochaine étape. Non, on accepte. Elle veut continuer. On accepte. Non, je continue. On accepte Maëlys. Maëlys, non. Dilemme. D'un côté, papa veut s'arrêter, de l'autre, Maëlys veut continuer. Quelle est la décision? Non, stop, on va encore avoir des pénalités supplémentaires. Alors Maëlys, il faut ramener le tonneau. Ma chérie, ramène le tonneau ici. Levez la corde, ça va pas! Levez la corde! Contrainte d'arrêter sa course, Maëlys ramène son tonneau à l'autre bout du parcours. En actionnant le Top Rescue, les roses passent directement à l'étape suivante. Ils obtiennent donc une pénalité de 3 minutes sur leur chrono final. Contrarié, Maëlys ne parvient pas à reprendre ses esprits. Mais je suis C'est pas grave, ma chérie. Les cadets sont maintenant prêts à récupérer les 8 balles. Il faut toutes les apporter sur la rampe en bois pour démarrer la troisième étape. Allez mon cœur, t'es bien. Placez 3 balles dans le trou pour lever la queue du facochère et arrêter le chronomètre. 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 balles sont là, allez-y. Mets-toi derrière, Lisa. Droit. Non, pas trop fort. Dis-toi. C'est difficile. Rien n'est joué pour les roses qui peuvent encore rattraper leur retard. Car pour les autres équipes, cette étape n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Plus fort quand même. Oui, non. C'est trop fort. On lance trop fort. On est bourrin. Oh non, vous allez trop vite. Les roses ont trouvé la technique et placent la première balle. Les bleus trop pressés manquent d'adresse. Trop fort! Trop fort, Lisa, faut pas Lisa, trop fort. Mais bougez. Maman. Oui, non! C'est à moi. On s'en fout pas. Lisa. Oui, non! Pas trop fort! Les verts enchaînent les lancers, mais n'y arrivent pas. Ça va pas. Lance droit, pas comme ça. Si tu fais toi, tout ton truc, t'as perdu beaucoup de temps. C'est difficile. Elle nous aime pas cette balle. Le chronomètre défile, mais tout est encore possible car seul le temps final départagera les 3 familles. Et les roses, malgré le Top Rescue et leur pénalité de temps, auront peut-être été plus rapides lors de la 3e étape de cette épreuve. Une balle, bravo les bleus. Allez Nathan, celle-là elle est dedans. Regarde. Allez. Une balle. Compliqué. Ah, elle est pas mal là. Deux. Vous m'entendez ou pas? Allez, deux. Deux balles, bravo. Allez. Les bleus. C'est bon Nathan. Deux balles. Deux balles, attendez. Encore une et j'arrête le chrono.
Une fois la technique maîtrisée, chez les verts, les roses et les bleus, les balles tombent les unes après les autres. Yes! Et regardez bien la queue du facochère. Arrêt du chrono. Bravo les verts, à tout à l'heure pour le verdict. Bravo à vous, je vous retrouve dans quelques instants pour le verdict. Merci. Oh, c'est bien, ma chérie. Allez, bravo, 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 bravo. Je pense que c'était clairement pas le jeu de la famille Delmotte. On n'a jamais été funambule, hein. Voilà. Après, faut le prendre avec le sourire. Bah, j'arrivais pas à tenir en équilibre dessus. Et j'avais l'impression que la corde, elle bougeait. Ah. Et du coup, j'arrivais pas. D'accord, c'est nous. On a bien joué. Lisa en a mis une en plus de balles. Lisa, elle a bien joué. Elle a mis la première. Franchement, elle a bien géré. Mathieu, tu as bien géré ton équilibre. Bon, voilà, il fallait bien un jeu où on était un peu en galère. Ben là, on y était. Allez. C'est bien. Non, franchement, c'était sympa. Allez, tapez la main. Attends, mais je suis même pas sûr qu'on saura pourquoi. T'en es premier à savoir. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? On a bien joué? Lourdes, mais elle est rentrée, maman. T'as bien joué. T'en as mis deux, t'as vu? Ben, elle en a mis trois. Hein il a mis les trois. Qui c'est qui a mis la dernière, là? C'est moi qui ai mis la dernière. T'as mis les trois? T'as mis les trois? Voilà. C'est toi. Sauvé. Eh bien voilà, nous en avons terminé avec ce défi, la queue du facochère, un défi plus difficile que prévu, vous l'avez constaté, pour nos trois familles. Je vais tout d'abord vous donner le meilleur chrono réalisé à l'issue de ce défi. Il est de 5 minutes 18 secondes. Quoi? C'est pas nous. C'est pas nous non plus. C'est pas nous. C'est pas nous. Alors qui va remporter la tête de lion, ou conserver la tête de lion? Qui a réalisé ce meilleur temps de 5 minutes 18 secondes? Les verts. Oh, oh. Quand il a annoncé qu'on était premier, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit qu'on allait en finale. Là, je suis fière parce qu'on est premier. En 5 minutes 18, moi, je voyais beaucoup plus de temps. Bravo, les verts. Je vais inviter les bleus à venir me rejoindre, car je dois récupérer la tête de lion. Merci Lisa, merci Mathieu. Je récupère la tête de lion, je vous rends votre bâton et pour l'instant, je ne mets rien dessus. Quant à vous les verts, eh bien venez me rejoindre, car oui, au revoir les têtes de serpent et bonjour la tête de lion. Messieurs, bravo, allez rejoindre vos parents, vous décrochez la tête de lion, bravo les verts. 16 minutes 11 secondes, c'est le moins bon. C'est pas possible. Trois chronos réalisés dans ce défi, la queue du facochère. C'est nous. Alors, qui a réalisé ce moins bon chrono? 16 minutes et 11 secondes pour les roses. On peut nous applaudir quand même, dites donc. Dis-toi, Maëlys, venez me rejoindre, s'il vous plaît, avec votre bâton, pour que j'alourdisse celui-ci eh bien, de trois têtes de serpent. Je t'avais dit que j'étais nulle. Mais non, tu n'es pas nulle. On dira juste que tu as un moins bon sens de l'équilibre. Mais tu n'es pas nulle, tu sais, on peut réussir dans la vie même avec un mauvais sens de l'équilibre, il n'y a pas de problème. Va rejoindre tes parents qui t'attendent avec le sourire, Titouan. Mathieu, Lisa, deux têtes de serpent pour vous. Ciao. Alors les bleus, vous l'avez compris, vous allez aller en duel. Mais dans Safari Go, à la veille de la grande finale, eh bien je dois vous dire qu'on change un petit peu les règles. Oh là là. Car les bleus, oui, vous allez en duel. Mais vous allez en duel avec l'équipe qui a été la meilleure, les verts. Vous allez en duel avec les têtes de lion, car oui, les deux meilleures équipes vont s'affronter lors de ce duel. Un duel qui ne sera pas un duel éliminatoire, car la bonne nouvelle, c'est que les trois familles restent. C'est pas vrai? Non. C'est pas vrai? Non. Vous serez tous en finale. Ouais! Ça, c'est bien. C'est bon, ça. C'est vraiment une très bonne surprise qu'on soit en finale. C'est que du bonheur, c'est que du sourire, c'est que du plaisir.
On a vécu jusqu'à présent une aventure extraordinaire. Là, il s'avère que ça va continuer. Et croyez-moi, on va en profiter. Encore plus de plaisir. On va s'amuser et on va en prendre plein les yeux. On était persuadés qu'on allait partir en duel éliminatoire. Mais l'annonce de Vincent a apaisé cette crainte, en fait. Donc, on a été super contents. Là, c'est que du plus. On va se régaler, quoi. Ça va être super.